menace, là, il faut le décider dans le travail. Parce que nous-mêmes, on discute ici. Si vous intéressez, ça va discuter de ça. Donc plus les 5% de fiabilité, y compris les 5% de fiabilité. C'est bon? Est-ce qu'on peut revenir sur la stratégie? Lorsqu'on soit au même niveau d'information. Les experts ont proposé la stratégie ci-après. Du 1er juillet au 30 août 2018, maintien des discussions en cours. Transmission, parlez-moi aux États de toute la documentation nécessaire à l'EPS, nécessaire à l'application de la stratégie. Sujet annexe technique. Cela. Du 1er septembre au 31 décembre 2018, application d'une tolérance de 20%, application des amendes actuellement en vigueur entre 20 et 25%, application des amendes du règlement 14 de l'UEMOA entre 25 et 40%, délestage au-delà de 40%, achèvement de l'équipement des ports. Oui. On finit d'abord. Du 31 décembre 2018 au 30 juin 2019, application de la tolérance de 20%, première application, application des amendes au règlement, des amendes du règlement 14, application des amendes prévues par le règlement 14 de l'UEMOA. Michel, est-ce que vous pouvez corriger en même temps? Application des amendes prévues par le règlement 14 de l'UEMOA, prévu au règlement 14 de l'UEMOA et de l'estage au-delà de 25%. Prévu au règlement. De conforme au règlement. Conformément au règlement. Conformément au règlement. Prévu au règlement, c'est bon? Prévu au règlement. Et de l'estage au-delà de 25%. À compter du 1er juillet 2019, évaluation de la mise en œuvre des mesures précédentes en vue de l'application intégrale du règlement 14. Évaluation de la mise en œuvre des mesures précédentes en vue de l'application intégrale. En vue de l'application intégrale du règlement 14. Du règlement 14. Ok. C'est bon? S'il vous plaît, j'en profite pour présenter à la réunion la présence du directeur des routes du Sénégal, M. Mamoudou Alassane Camara. Bonjour tout le monde, excusez de l'absence parce qu'on avait souhaité être là depuis le premier jour. Malheureusement, on était pris dans une mission avec le ministre des Infrastructures qui sera parmi nous demain. Je voudrais en tout cas au nom du Sénégal remercier l'UEMOA pour l'action en tout cas que l'organisation mène pour aider nos États à régler cette question lancinante du règlement 14. Je pense que pour le bien en tout cas de nos économies, hein, qu'il faut lutter contre la surcharge à l'essile. Ces dernières années, nos États ont largement investi dans la construction routière avec les difficultés que nous connaissons parce qu'il faut justement rembourser justement tous ces emprunts. Mais malheureusement, le constat est qu'il y a eu des dégradations prématurées sur nos routes
Et justement, ce règlement vient aider nos États à lutter contre cette surcharge et cette dégradation prématurée. Donc c'est pour nous, en tout cas, l'occasion de remercier l'UMOA et saluer toutes les délégations qui sont ici présentes et dire tout l'engagement des États du Sénégal à mettre en œuvre ce règlement, justement de façon en tout cas consensuelle et concomitante et progressive. Tout simplement, il faut aussi intégrer nos partenaires qui travaillent pour justement aider nos États à développer nos économies. Mais ce qu'il faut retenir, il faut qu'on y aille. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, parce que justement, si on fait la balance de tout ça, ce que nous perdons sur nos routes n'est pas équilibré par justement le reste. Donc il faut qu'on s'accorde à être encore plus rigoureux, qu'on s'accorde à être plus ferme pour mettre en œuvre ce règlement, mais dans la concertation, dans le dialogue, mais aussi dans la concomitance, parce que les ports qui justement les centres de fret les plus importants sont les centres économiques qu'il faut accompagner. Donc on se bat en tout cas au Sénégal à mettre en œuvre ce règlement au niveau de l'ensemble des plateformes. Je pense qu'il y a une évolution conséquente qui a été concédée ces derniers moments. On va poursuivre l'engagement du Sénégal et qu'il faut aller vers ce règlement. Je pense que, je ne sais pas si John a transmis cette information à l'assistance, mais c'est ça l'engagement du Sénégal. Je pense que le ministre ne manquera pas aussi à le réitérer. Il faudrait aussi que nos États partenaires nous aident à aller vers l'application intégrale. Je vous remercie. Je vous remercie la présence. Moi, j'étais aussi intervenu. Merci, monsieur le directeur. Vous avez la parole. Il faut remonter un peu. Voilà, application des amendes du règlement 14, le lieu moi entre 25 et 40%. Au-delà de 40%, il n'y a pas d'amende qui est précisée. Donc je propose qu'on mette application des amendes du règlement 14, le lieu moi au-delà de 25%. Donc ça prend l'intervalle à partir de 25% jusqu'au-delà de 40%. C'est ça. Et on précise le délestage au-delà de 40%. C'est ça. Application des amendes du règlement 14 du lieu droit au-delà de 25%. Au-delà de 25%. Oui. Oui, c'est au-delà de 40%. Oui, c'est pas grand. Au-delà de 25%.